souhaite beaucoup qu'à chaque fois que dans une équipe, et c'est le cas partout, on travaille sur le travail, on est aussi, et pas comme un accessoire, mais comme quelque chose de directement lié, les bons réflexes en matière de chauffage, en matière de rafraîchissement ou en matière d'éclairage. Sur la période 2018-2022, la branche famille a une bonne capacité à investir dans l'immobilier, dans le lieu de travail ou dans sa rénovation. Plus de 200 millions, c'est tout à fait considérable. À chaque fois qu'on bâtit une nouvelle caisse, c'est d'abord un très beau projet humain et professionnel, et c'est aussi, bien entendu, l'occasion d'adopter les meilleures techniques pour permettre de pratiquer les meilleurs réflexes. La réalisation exemplaire que l'assurance maladie met en avant, c'est la construction de son nouveau data center à Strasbourg. Vous savez que les data centers, c'est très fortement consommateur en énergie. Nous en avons réalisé un, c'était Strasbourg CARSAT d'Alsace, avec à la fois des équipements électriques à haut rendement, une alimentation en énergie à partir d'un gisement de géothermie, et puis un recyclage de la chaleur dégagée par le data center pour tout simplement chauffer l'ensemble du bâtiment de la CARSAT. Donc je crois que c'est une belle réalisation. Elle a d'ailleurs été récompensée, saluée par le Grand Prix de l'innovation de la Sécurité sociale il y a quelques mois. Alors je prendrai l'exemple de la CARSAT de Lyon. La CARSAT de Lyon a engagé une rénovation en profondeur de son siège à Lyon. Et pour faire cette rénovation en profondeur, elle a fait le pari d'un contrat de performance énergétique. Ça a été lancé en 2016, à l'époque où le dispositif était tout nouveau. L'idée, c'est de dire, l'entreprise qui va faire la rénovation de fond en comble, elle s'engage de manière mesurable sur la réduction des gaz à effet de serre. C'est un contrat qui s'achève en 2020 et je suis très impatient d'assister à l'inauguration de ce nouveau siège, qui sera à la fois, en termes de qualité de vie au travail, bien supérieur pour les salariés, mais surtout on pourra mesurer si effectivement le contrat est tenu. Et du coup, on va évaluer le dispositif pour évidemment voir si ces contrats de performance énergétique ont vocation éventuellement à se diffuser et à prospérer au sein de la sécurité sociale. Dans l'ensemble de nos projets immobiliers, et nous en avons beaucoup parce que nous sommes dans une phase où nous avons de nouveaux sites et dans une phase aussi de rénovation de nos sites avec l'intégration du RSI, nous inscrivons une démarche de qualité environnementale de nos sites. Alors ça vaut à la fois pour les nouveaux sites qui vont nous être livrés, comme par exemple celui de Champs-sur-Marne avec des normes de qualité environnementale, et par ailleurs dans tous nos projets de rénovation, nous inscrivons des objectifs de réduction des émissions d'énergie. Et par exemple, sur le site de Montpellier, grâce à un pilotage centralisé des consommations et par ailleurs l'installation de panneaux photovoltaïques, nous parvenons à réduire de 40% nos consommations d'énergie. En tant que protection sociale du monde agricole et rural, la MSA accompagne, comme vous le savez, la transition agroécologique de notre pays. Et de ce point de vue, l'institution que nous représentons doit être emblématique de cette démarche. Et en matière immobilière, qui permet d'incarner concrètement cette démarche, eh bien, nous avons fait des choix, notamment pour le siège de la Caisse centrale, de nous inscrire dans une démarche de haute qualité environnementale pour ce bâtiment. Et sur l'ensemble de nos programmes immobiliers sur le territoire, notamment sur Boves, à côté d'Amiens, nous avons en particulier un bâtiment qui répond à des exigences de biosourcing de l'ensemble des matériaux utilisés pour limiter l'empreinte carbone de la création du bâtiment et permettre d'inscrire durablement notre responsabilité sociale et environnementale dans le paysage urbain et dans le paysage agricole de notre pays.